Salut tout le monde, c'est Lady, je suis en compagnie de Seiko, Pitivier et Yoda. Ouais, salut tout le monde. Yo yo. Et donc on est parti pour un petit résumé de ce début de tournoi des 16e et des poules qui se sont déroulées, les 16e pour demain. Donc on va commencer tout de suite en faisant un petit récap des premiers groupes. Yoda, je te laisse continuer. Voilà, donc les groupes sont finis, on va vous présenter la liste des qualifiés. Donc dans le groupe 1 sont qualifiés donc KZP Proxio et NZP Atos. Dans le groupe 2 sont qualifiés Australic et OIS. Dans le groupe 3 sont qualifiés Zfuria et KZP Trilex 29. Dans le groupe 4 sont qualifiés Dolza Tezor et JZ Drago. Dans le groupe 5 sont qualifiés Luffy et Amo. Dans le groupe 6 sont qualifiés Xerox AG et Phoenix 60. Dans le groupe 7 sont qualifiés WF Wargame et Vodalism. Et les qualifiés du groupe 8 sont Zombiegun 69 et Adam 89 Arsenal. Dans le groupe 9 sont qualifiés Nexus, GFX et Activity Moon. Groupe 10, donc c'est bon pour YoYoMan89 et Blue Diamond. Groupe 11 sont qualifiés Gillian Beast et Mr. Geek. Groupe 12, Kant Gamer et Blix passent les sélections. Groupe 13, Tic Tac du 60 et Uzi Mikraz 92 passent les sélections également. Groupe 14, KZP Manu Kamikaze et Colligat sont sélectionnés. Groupe 15, NCG The Best pardon, et Thomas passent les sélections. Et enfin, groupe 16 sont qualifiés Crazy Nightmare et Almoster du 12. Donc Seiko, je te laisse nous parler des phases finales. Donc tout d'abord, à savoir que nous commencerons par la colonne de gauche. Donc KZP Poxo jouera contre OHIT, Zfuria jouera contre JZ Drago, Luffy jouera contre Fengs 60, Wargames jouera contre Adam 89 Arsenal, Nexus JFX jouera contre Blue Diamond, Gillian Beast jouera contre Blix, Tic Tac du 60 jouera contre Colligut et NCG The Best jouera contre Almoster du 12. Alors attendez les gars, je bascule à droite pour la suite des 16e. Pareil pour moi, j'ai fait des conneries. Ok, donc ensuite on enchaînera avec NZP Atos qui jouera contre The Stralic. KZP Trilex 29 jouera contre Dolls à Tésor. Amo jouera lui contre Xerox AG. Vodalism jouera contre Zombiegun 69. Activity Moon jouera contre Zombie Record YoYoMan 89. Mr. Geek jouera quant à lui contre Kant Gamer 82. Uzi Mikraz 92i jouera contre KZP Manu Kamikaze. Et pour finir, Xtoma 59 jouera contre Crazy Nightmare. Voilà, donc moi j'ai juste rajouté quelque chose, c'est que demain donc les 16e auront lieu sur Nocton. Si l'un des deux joueurs n'a pas Nocton, on refera donc sur dépôt. Ça sera en 3 points gagnants, donc il faudra vraiment que le joueur gagne 3-0, 3-1 ou 3-2. Il faut vraiment qu'il y ait 3 points pour gagner, marquer 3 points pour gagner. Sinon, donc je rappelle, comme Seiko l'a dit, on va d'abord faire la partie gauche. Donc demain d'abord les premiers matchs, ce sera vraiment la partie gauche du tableau qu'on vous a présenté. Et ensuite la partie droite. Donc les matchs auront lieu dans l'ordre. Si vous n'avez pas vu, je vous invite à regarder une deuxième fois la vidéo. Et pour ceux qui veulent connaître vraiment les classements des poules, ben je vous invite à faire pause sur la vidéo. Voilà, j'ai tout dit. Voilà, donc on donne rendez-vous à tous les joueurs pardon, qui sont sélectionnés pour les 16e. Rendez-vous demain à vous. Donc à 14h30, et ça sera sur la chaîne de Pitivier. On va mettre le lien dans la description. Voilà, voilà. Et ouais, voilà. Tout le monde a tout dit, un petit mot à rajouter, les ouais. gars. Ouais, bah, n'hésitez pas à mettre pause aussi sur le tableau des 16e. C'est pas évident à voir, je sais pas si vous, c'est bien se voir ou quoi. Bah, moi, j'arrive pas à faire un affichage complet. J'arrive pas à tout. Non, donc, on peut pas. Je pense tu que cliques sur le zoom, mais si tu mets 25%, tu vois tout le tableau, mais tu verras pas les noms. En fait. Ça va être trop petit, donc je vais écrire tous les noms dans la description, au pire. Comme ça, on sait que tous ces gens-là seront contactés. Enfin, on demandera à les voir demain, quoi. Voilà. À partir des 8e, ça sera plus clair, mais là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de participants encore. Donc voilà. Et concernant l'ordre de passage, on fait toute la colonne gauche, puis toute la colonne ouais, droite. Donc les deux premiers, ça sera KZP Poxo au Ease, le deuxième Zfuria Drago, et ainsi de suite. Après, on attaquera la colonne de droite qu'on aura fini la colonne de gauche. Donc soyez bien présents de 14h30 à minuit. Et bonne chance au monde, et à demain. À demain, tout le monde. Bisous. Bonne chance. Bisous. I've seen this, 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 I